Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Oh, regardez ce petit lapin comme il est trop mignon. Eh, attendez, il faudrait que je fabrique un arc directement. Il faudrait que je fabrique un arc, est-ce que c'est possible? Je ne sais plus comment faire un arc, il faut des bâtons et du scotch, comme ceci, voilà. Et nous avons un petit arc, est-ce qu'on a de quoi se faire des flèches également? Attendez, autant se faire un petit plaisir, on a des plumes. Voilà, on prend les plumes, on prend les bâtons. Ah, comment on fait les flèches? Il faut des petites pierres. Bah, j'en ai des petites pierres. Voilà. Hop là, on a des flèches. Et eh ben attendez, on va directement démarrer cet épisode du feu de dieu. L'arc, il est bah, il est où l'arc? Là. Hop, je le prends. Je vise. Et voilà. Ça fait plaisir. N'oubliez pas le pouce bleu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le troisième épisode déjà de Sons of the Forest. Je dis déjà, mais je dis ça dans le sens qu'on avance énormément durant ce let's play. Et c'est absolument incroyable. Merci beaucoup pour vos astuces, vos commentaires. Que ce soit par rapport... ça je vais mettre au feu. Par rapport à faire du chauffage de bois, hein, du coup, pour faire tenir le feu plus longtemps. On peut faire du feu de bois, enfin des bûches de bois, du bois de chauffage. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc on pourra faire ça par la suite. J'ai fait pas mal de petites choses dans la base. J'ai terminé à peu près la maison. Je vais vous faire le petit tour du propriétaire. On va dormir et dans cet épisode par contre aujourd'hui j'insiste, il faut absolument qu'on se balade et qu'on trouve une casserole. On est obligé de trouver une casserole là. Donc, parce que sinon on est dans le caca. J'en peux plus de boire de l'eau périmée là. Il faut qu'on fasse bouillir l'eau, vraiment. Donc faudra qu'on trouve un camp indigène. Et pour ça je propose qu'on suive les chemins, hein. Qu'on suive vraiment les chemins, chose qu'on n'a pas fait dans le dernier épisode. Donc voili voilou, on fait cuire ça, on va le mettre sur l'étendoir, voilà c'est prêt, parfait, on va le mettre sur l'étendoir du coup, impeccable, non je voulais pas, ah, c'est pas facile des fois, hein. Voilà, hop, impeccable, la jambe là d'ailleurs, je vais peut-être l'acheter parce que j'en ai marre de l'avoir sur moi, elle est où la jambe, elle est, je ne sais pas où elle est, et encore je vais pas l'acheter parce que ça va nous permettre de faire des effigies, la conserve, je peux pas l'ouvrir, parce que il me manque... Le ciseau là pour, donc va falloir le trouver. J'avais bel et bien du fil électrique les amis, hein, vous avez raison, je suis un petit peu teubé. Et donc ce que je vous expliquais c'est que maintenant, donc tu mets ça là, mais tu peux également maintenant librement relier normalement, si je ne m'abuse. Ça n'a pas l'air de marcher comme je veux. Voilà, tu peux relier là, là par exemple. Enfin là ça marche pas, mais voilà, tu peux relier par exemple ici. Hop, voilà, donc avec ça on va pouvoir faire des trucs assez sympas. Du coup j'aimerais bien récupérer mon fil électrique. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ma maison. Le soleil se couche tranquillement. Alors j'ai sécurisé la base à peu près. C'est à dire que j'ai vraiment tout refermé tout autour. Kelvin est là, il m'a fait putain de peur. Donc j'ai vraiment entouré la base comme vous pouvez le voir avec les bûches de bois. Certains m'ont demandé d'ailleurs pourquoi j'ai pas fait de maison en pierre directement. C'est vrai, une bonne question, mais j'ai préféré faire en bois. Voilà, j'ai pas tout à fait fini ici, mais normalement on se fait pas trop embêter de ce côté là. Voilà, donc après au fur et à mesure on pourra agrandir la base quand on aura plus de visibilité, qu'on aura vraiment tout déforesté. Ici j'ai fait un petit ponton, voilà, c'est toujours sympa pour pouvoir partir ici. En fait je pense déjà quand on sera enfermé, que notre base sera enfermée, ben voilà, comme ça on aura un petit ponton pour passer ici quoi, hein. Enfin on verra, en vrai j'avais envie d'essayer parce que j'ai jamais fait de ponton, donc c'est la première fois que j'en ai fait un. Donc je voulais essayer. On va allumer une petite lumière. Et encore c'est pas terrible. Donc voilà au niveau de la maison. Je vais reprendre le lit. J'ai mis des petites fenêtres ici. Et l'étage en haut. Voilà, d'ailleurs on va mettre le lit. On va mettre le lit comme ça. Attendez, bougez pas. Comme ça. Voilà. Comme ça je vais pouvoir aussi sauvegarder de nouveau. Avec une petite fenêtre ici. Ah merde, j'ai oublié d'enlever la corde là. Oui parce que c'est une galère les gars, hein. Pour monter sur le toit j'en ai chié, hein. Oh merde, comment je fais pour enlever la corde? Je pense que je peux l'enlever que d'en haut. Alors je vais vous montrer comment on fait pour accéder au toit, j'ai trouvé un truc. Bon, malheureusement je ne peux pas faire ce que je voulais faire ici. Alors, pour monter sur le toit, moi ce que j'ai fait un accès derrière. J'en ai chié, hein. J'en ai chié avec une liane. Juste ici, voilà. Une liane, une corde pardon, que dis-je? On monte ici et on est sur le toit. Et en fait je vais mettre des panneaux solaires sur le toit. Est-ce que je peux enlever la corde? Dis-moi que je peux enlever la corde. Oh non, ça va être chiant. Oh oui. Voilà. Parce que la corde je l'avais placée par en haut. Donc c'est pour ça. Je peux que l'enlever par en haut. Parfait. Comme ça, ça c'est fait. D'ailleurs on va directement mettre les panneaux solaires. Et regardez comme c'est cool ça. J'adore.
Ça sert à rien de changer la couleur parce qu'on voit pas du tout, mais on va laisser en blanc. Panneau solaire, j'en ai. Ah bah j'en ai qu'un seul. J'en ai qu'un seul. Est-ce que je peux les placer sur les pans? Oui, je peux. Voilà. Eh mais attendez, j'ai des ampoules. Eh mais attendez, on va directement placer les ampoules. Comme il fait nuit, on va en profiter. On va en profiter, bébou. Bon, là, on va mettre des petites lumières. Vous allez voir comme c'est sympa. On va mettre déjà en haut, là, les lumières. On va placer ça. Où c'est qu'on pourrait mettre? Ah oui, mais d'abord, il faut placer du fil. Oh là là, l'enfer. J'ai 6 fils, donc faut faire ça bien. On va placer ça là-haut. D'ailleurs, je pense que là, hop, là, c'est relié. Donc là, je vais pouvoir prendre mon ampoule, la placer, et normalement... Je dis bien normalement. Voilà. Génial. Ah, c'est chouette. Alors attendez. Je pense que le plus intelligent ce serait de mettre l'ampoule là, hein, si je puis me permettre. Ouais, j'arrive pas à rechoper l'ampoule. Bon, ben on va aller se faire foutre. C'est pas grave, on va la laisser là. Hop, et on va placer une nouvelle ici. Voilà. Allô. Pas facile. Hein. Voilà, superbe. Et c'est pas mal là. Hein. Là c'est pas mal, là il fait nuit et on se sent plutôt bien là. On se sent plutôt cosy, j'ai envie de vous dire. Ouais bah on va mettre des ampoules un peu partout je pense, tout en haut. De toute façon il n'y a pas de zombies qui spawn, hein. On n'est pas sur Minecraft les gars. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Voilà. Bon, normalement il me reste plus qu'une ampoule. C'est pas grave, écoutez. Au moins ce sera déjà prêt le système électrique. Voilà, aussi simple que ça. Bah du coup on va dormir et on va partir à l'exploration directement les copains. Hop les. Nickel, le jour se lève, nous sommes donc au jour numéro 7. Moi ce qui me fume c'est que tout ce qu'on a fait, j'aurais fait ça en 20 épisodes quoi, à la saison 1. Et ça, ça fait plaisir. Bon du coup bien sûr on ne change pas les mauvaises habitudes, on va boire de l'eau de la rivière, hein. Malheureusement. Ça c'est absolument, absolument terrible. Mais on n'a pas le choix, heureusement on a une bonne santé. On va boire à fond comme ça on est tranquille. Ce que je vais faire, est-ce que je peux vider l'eau là ou pas? Ah bah elle est déjà vide, ok impec. Non parce que je me suis dit si jamais on trouve vraiment de l'eau pure, on en profitera, tu vois, pour la récupérer. Allez, on mange un coup et on va suivre un vrai chemin. Et on va suivre le chemin qui est là-haut et qui monte, ouais vous voyez. On va suivre le chemin là-haut, voilà, allez c'est parti, on va se mettre dans le caca, moi je vous le dis, hein. Moi je vous le dis, on va suivre le chemin, donc le petit chemin jaune-brun, hein, vous voyez. On les a jamais suivis jusqu'à présent. Donc maintenant on va tâcher de le faire. Donc voilà, petit épisode. Alors je dirais pas forcément chill, oui parce qu'en fait on va se balader, on va se promener, hein. Mais en même temps à tout moment ça va partir en cacahuète, hein. Je vais pas vous mentir, je me suis fait un petit peu embêter par les indigènes. J'ai déjà croisé les grosses brutes d'ailleurs pour vous dire. Je peux vous dire que c'est assez terrible. Voilà, on va suivre ce chemin là. Par là-bas, on est encore jamais allé par là-bas. Hop, on découvre. Bête, batte du diable. Très bien. Je vais récupérer également des petits bâtons. Je récupère les petits champignons. Chitek, voilà, on découvre les petites races de champignons. On ne mange pas les champignons qu'on ne connaît pas, hein. C'est très important les enfants. Je vais crafter tant qu'on y est une petite lance. Parce que je n'ai pas encore fait de lance. Comment on fait une lance? Lance artisanale. Ah, il faut un couteau. Mais j'ai un couteau, attendez. Bien sûr, couteau. Et Shatterton. Hop là. Impec. Comme ça, il y en a une petite lance. Voilà, hop, que je vais pouvoir équiper directement, sans problème. Comme ça, à tout moment, je peux la sortir. Voilà, c'est pas mal, ça. J'ai normalement un pistolet. Ah, il m'a pas sauvegardé le raccourci. Putain, il m'a pas sauvegardé le raccourci du pistolet. Hop, voilà. Comme ça, j'ai le raccourci du pistolet. Je peux le sortir à tout moment. Il est chargé, c'est parfait. Voilà, nickel. Allez, donc on va suivre ce petit chemin. L'idéal, ça va être de trouver un petit camp indigène. Je vais ranger ma hache d'ailleurs. Et mon pistolet. Voilà. Nous, on est gentil, on se balade, on se promène. Et j'espère qu'on va trouver des choses. Qu'on va pas déranger grand monde. Là où il y a un petit étang, mais on y était, je crois. Hein. Allez, on va juste s'égarer rapidement pour vérifier si on y était déjà pas. Mais il me semble qu'on y était déjà. Hein. Ouais, on était... Non, même pas. Même pas. Je crois pas qu'on était là. Très mignon. Si, on est sûrement passé par là à un moment donné. Très bien. Allez, on va resuivre le chemin.
Oh putain. Vous avez entendu crier? Bien sûr. On va se faire croquer le cul. On me poursuit. On m'a jeté des pierres dessus, j'ai l'impression. Bon. Nous, on va suivre bêtement le chemin, les gars. On va suivre bêtement le chemin. Donc, en tout cas, voilà, les amis. J'espère que vous êtes en forme, tout simplement. Oh, putain. Là, c'est pas un lapin qui me court après. Hein. Là, c'est pas un lapin qui me court après. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Je vais juste un petit peu accélérer la cadence. Pour des raisons relativement évidentes. Ce jeu me fait toujours aussi peur et ça c'est cool. C'est-à-dire que, bon. Ah. Bonjour monsieur. C'est-à-dire que on connaît le jeu maintenant, tu vois. Je veux dire, on a les trucs, on a les astuces, les tips, on connaît les limites également du jeu. Voilà. Et pour autant, il arrive quand même toujours à nous surprendre. Enfin, pour ma part, il arrive toujours à me surprendre un peu et à me faire peur. Alors, les chemins se séparent en deux. On va monter par là-haut. Toujours les chemins à gauche. Et il y a un grand lac là-haut. C'est quel lac là-haut là? Alors là, vous voyez, par ici, ça ne me dit rien. Je vais évidemment reconnaître à mon avis. Hein. Et comme dit, j'ai bien exploré la map durant la saison précédente. Mais là, de ici, ça ne me dit rien. Et ça, c'est cool parce que voilà, on redécouvre à chaque fois quoi. On redécouvre à chaque fois. Et je sais que je répète la même chose tout le temps, mais c'est ça ce qui me fait plaisir. Ce jeu est tellement beau, tellement critiqué malheureusement. Est tellement critiquable, hein, c'est clair. Mais pour autant, il n'en est pas moins intéressant. Voilà. Allez, on monte, on va voir ce que c'est que cet étang. Ça se trouve, c'est un nouveau lac, hein. Parce que comme dit, il y a eu des nouveaux lacs qui ont été ajoutés, mais je pense pas, pour être honnête. Non, c'est le grand lac du dessus, ouais, d'accord. Ok. Rien de bien incroyable. Par contre, il y a une grotte au bout. Ah, il y a un élan là-haut, là. Vous voyez l'élan? Magnifique. Ok. Ah, mais la grotte là-bas, c'est la grotte qui mène. Et ici, c'est sympa pour s'installer aussi. Hein. En vrai. Ici, c'est grave sympa pour s'installer. Hein. Oh là là. Le problème avec ce jeu, c'est que t'as envie de t'installer partout. Mais c'est pas vraiment possible, quoi. Wow, regardez ces grosses bêtes. Regardez-moi ces grosses bêtes. T'as envie de t'installer partout, c'est absolument terrible. Ouais, la grotte là-bas, je crois que ça nous mène à un fusil à pompe, si je dis pas de bêtises. Me semble-t-il que la grotte, elle est compliquée quand même. Donc, je sais pas si on va y aller ou pas. Et puis, c'est pas là qu'on va trouver une casserole. Hein. Moi, je veux une marmite, moi. Et après, on fera le tour par là-bas, au pire, quand on sortira. Oh merde. Alors ça c'est un petit peu gênant. Bonjour messieurs. The realm behind Derek Seaside. Est-ce que tu as perdu l'espoir et la joie? Non, ça va franchement. Ça va aller. Bon, on va aller voir, mais je vous promets pas qu'on aille vraiment faire un gros tour. Parce qu'on n'est pas très équipé quoi. Si je puis me permettre. Donc on va voir. Peut-être notre première vraie grotte, qui sait, je ne sais pas. Faut dire qu'on n'a pas l'équipement, quoi. Oh là. J'aime pas du tout. Alors déjà, on a des bouteilles de gaz. Des réserves d'air. On va essayer de faire le tour accroupi. Au cas où il y a des méchants. Très bien. Je me chie dessus. C'est ça l'épisode chill? Ouais. Bon, les chauves-souris, c'est pas un problème. Par contre, là, je pense qu'il y a de l'eau et qu'il faut plonger. Mais je n'ai pas de bouteille de plongée, donc je peux pas y aller. Et là, ça mène à une autre partie de la grotte. Non, c'est la sortie, là. Ah, il y a une caisse, là, j'avais pas vu. Ok.
des drôles de bruits quand même. Bon, faut aller dans l'eau quoi. Mais je n'ai pas la combinaison de plongée malheureusement. Ah, c'est con hein. Ah, c'est con hein. Non mais c'est vrai en plus hein. C'est, je me défile. Je me défile, j'avoue, j'ai pas envie de me prendre la tête sur ce let's play. Mais en même temps, je n'ai pas le masque de plongée. Et c'est réel, il me le faut. Sinon tu peux pas y aller là. C'est pas des blagues. J'espère qu'il n'y a pas de piranha. Imagine, il y a un piranha. Je pense pas. Hop, on va essayer de trouver un nouveau chemin. Par contre, attendez, parce que bougez pas. J'ai vu des poissons. Et j'aime pas le poisson. Mais dans les jeux, j'aime le poisson. Dommage. Eh, y'a quoi là? Ah non, mais c'est la grotte. Ok, on va faire le tour. On va essayer de trouver un chemin. Mais y'a même pas de chemin, frérot. Ah si, là-bas, y'a des cul-de-sac de chemin là, de l'autre côté. Ça va aller. Y'a une autre grotte aussi, si jamais. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Je ne sais pas dans quoi on s'embarque. Mais on s'y embarque. Alors, on va avoir un petit problème là. Je suis sur le terrain des élans. Je suis en haut d'une falaise. Il y a absolument rien qui va là. Alors, j'essaie d'être discret. Parce qu'ils vont me courser s'ils me voient. Oh! Un bug de texture. Bon, voilà, hein. Il en faut bien. Là, je pense même pas que ça a été étudié pour qu'un joueur passe par là. Waouh. Wow. Ah ouais. C'est magnifique. Attendez. Prenez juste le temps rapidement, là, un petit peu, là. Voilà, prenez-en plein la vue. Franchement. Hop là, voilà, je vais faire jalouser tous ceux qui sont sur console et qui voudraient absolument le jeu. J'en suis désolé. Bientôt, je l'espère, pour vous. Allez. Bah, j'aurais bien aimé descendre, mais... Du coup, je peux même pas faire ce que j'imaginais. Je peux même pas descendre. Ah si, là, je peux. Attention, ça va faire bobo. Hein. Allez, sois fort. Sois fort. Parfait. Parfait. On va pouvoir longer là. Et rejoindre le cours d'eau que je voulais. Et comme ça, il y a une grotte en bas. Alors, pareil. Si je peux me défiler, je me défilerai. Mais si on peut accéder à la grotte, moi j'y vais. Après, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est un village, trouver une casserole quoi. Vraiment, j'insiste. Vous allez m'entendre beaucoup le dire. Parce que pour le coup, c'est ce que je veux. Ouais, une petite grotte là. Là, l'eau elle est bonne, non? En vrai. Ah non. Mais en fait, c'est ça. Au début, quand le jeu était sorti, l'eau elle était bonne. L'eau courante était bonne. Sauf qu'en réalité, dans la vraie vie, elle l'est pas du tout. Enfin, elle l'est pas forcément, si tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, ils avaient fait une mise à jour entre temps. Et du coup, non, c'est beaucoup plus dur d'avoir de l'eau bonne. Putain, terrible. Ok, on a une petite grotte ici. Vas-y, hein. On fait le tour du propriétaire, on fait des visites quoi. Oh putain. Eh, t'allumes la lumière quand tu veux hein. Voilà, te presse pas, t'as raison. Bonjour. Ah. Oh. Lunettes de vision nocturne. Magnifique. Alors je me souviens qu'il y avait un bug avec les lunettes de vision nocturne. Donc est-ce que ça a été réparé? Bah c'est ce qu'on va voir. Je vais les porter. Oh waouh. Ah ouais non là par contre ça va nous changer de la vie. Je sais pas vous mais là on voit super bien. Enfin on voit super bien. Eh là vous voyez rien quoi. C'est ce que je veux dire tu vois. Et là on voit. Alors c'est sûr c'est pas l'idéal. Mais c'est pas mal. Et l'avantage c'est qu'on fait pas de lumière aussi tu vois. C'est qu'on n'utilise pas de lumière. Donc ça c'est pas mal. Voilà, bon, y'a rien d'autre. Ah, si, là y'a de l'eau là. Je peux aller dans l'eau? Ah, ouais. Ah, ouais. Non, non. On va remonter. Pareil, là il nous faut une tenue. Il nous faut une tenue de plongée. Putain, mais c'est pas. C'est un truc de ouf, tous les trucs sous-marins qu'il y a. J'avais pas souvenir de ça, moi. J'ai des piles. Ouais, j'ai pas mal de piles. 6 piles, ok, ça va.
Ok, cool. Et il n'y a pas de bug en plus. Parfait. Ah bah je suis bien content d'être passé par là. Là déjà ça va quand même nous sortir de pas mal de situations. Le fait de pouvoir voir dans la nuit, que ce soit bah, justement dans les grottes ou de nuit hein, tout simplement. Ça c'est vraiment pas mal. Est-ce que... J'avais un chemin tout à l'heure. Ouais, j'ai un chemin là-bas, là, tout droit. Et ce chemin-là, à mon avis, le cul-de-sac, ça va être un village ou un truc comme ça. Donc on va essayer d'y aller. Ce serait pas mal. Ah ! Oh putain ! Je sais pas c'est quoi ce gros truc qui... Oh là là. Je me chie dessus. Oh là là. Je suis bouche bée, voilà. Ah ça va. C'est des petites biches. Non je croyais que c'était les... En fait je croyais que c'était les élans au début. Bon ça c'est pas un élan hein. Voilà. Ah ça y est, on arrive au niveau du chemin. Voilà qui me rassure. D'ailleurs j'ai faim. Donc monsieur, je suis désolé hein. Désolé. Je parle plus, je me chie dessus. Voilà. Là, il faudrait que je fasse cuire. Attendez. Je sais plus quoi dire. Il y a plein de trucs ici. Génial. Ok. Il y a plein de trucs ici. On va se faire un feu rapidement. Allez. Parce que j'ai faim. Désolé, je viens de perdre l'animation de la vidéo. Vous l'aurez compris. Je me chie dessus. Ok. Alors, je peux conduire. Ah oui, putain, je peux conduire. Alors maintenant, on peut rouler à plusieurs d'ailleurs, hein, si vous êtes en multijoueur. Oh, on peut pousser le machin. Pas mal ça. Donc voilà, si vous êtes 4, vous pouvez rentrer à 4 dans la golfette, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est cool. Ah ouais, on pourra conduire la golfette en fait. Mais voilà, on a une golfette, on va pouvoir la rouler après. Ah ! Putain, il m'a fait peur. Il m'a fait tellement peur. Allez, dépêche-toi. Voilà. Impec. On va manger un coup. Normalement, quand on est dans l'inventaire, ça met le jeu en pause. Donc c'est pour ça que j'en profite. Là, voilà. Hop, on va manger. Oh là là, je suis pas rien du tout. Je suis pas rien du tout. Oh là là. Voilà, au moins on est full. Oh, c'est parfait ça. C'est parfait. On a le caddie de golf ici. On a des... Attendez, parce qu'on a des valises à récupérer là. Hop, on va prendre le bâton. Salut. Voilà. Et là, on récupère des trucs assez sympas. Super, des petits trucs à manger aussi, c'est cool. Oh là là, les cannibales, ils vont nous faire chier. Oh putain, dégage-toi. Je le répéterai pas deux fois. Oh putain, ça grimpe les arbres, tout. Le problème, c'est qu'il y a plein de petits animaux mignons et ils font du bruit, quoi. Et je les confonds avec les méchants, quoi. Oh, panneau solaire. Parfait. Pour la maison. Putain, il y a plein de valises, c'est génial. Je vais me faire prendre par derrière. Hein. Donc ouais, c'est une piste d'atterrissage décollage, vous l'aurez compris. Kelvin, tu m'as fait peur. Ne refais plus jamais ça. Je peux pas porter plus de barres énergétiques, bah c'est pas grave, je vais la manger. Il y a la patrouille de France. Bonjour monsieur. Donc c'est tous des milliardaires, hein, vous l'aurez compris. Superbe. Et des petits lapins. Allez, dégage. Mais c'est super, je suis content. Voilà, trop cool. Allez, récupère. Veste en cuir. Stylé ça. Eh hey, Kelvin. Kelvin, habille-toi. J'ai ce qu'il faut pour toi. Comment je fais pour t'habiller? Mais non, comment je fais pour l'habiller? Normalement je peux l'habiller. Kelvin.
Kelvin, comment je fais pour te donner la veste? Ah, peut-être que je peux pas lui donner la veste là, malheureusement. Portée, bah Veste en cuir. Hop. Voilà, comme ça on est beau gosse. Moi j'arrive pas à lui donner la tenue, c'est bizarre. Ouais, bon, très bien. Bon, on va prendre notre temps ici, hein. On va essayer de tout looter un maximum avant de prendre le caddie de golf et se barrer. Encore des panneaux solaires, c'est impec. Pareil, ça je vais manger, ça fait le taf. Là il y a de la tunasse. Ça, ça fait plaise. Et là-bas il n'y a plus rien. Ok. Bah très bien. Très bien. Putain, vraiment j'ai perdu le dynamisme de la vidéo tellement je me chie dessus. Oh, je lui ai niqué la gueule. Comment je lui ai niqué la gueule? Incroyable. Je ne sais pas c'est quoi comme animal, mais je l'ai défoncé. Incroyable. C'est un lapin en fait. Ni plus ni moins. Pauvre lapin. Parti trop tôt. Petit écureuil. Ah, je suis content qu'on ait un caddie parce que je me sens en sécurité. Alors, j'ai pas encore expérimenté. Si ça se trouve, on va se faire attaquer de ouf. Mais je me sens un peu intouchable. Tu vois? Je me sens un peu intouchable là-dedans. Oh, puis ça freine fort. Hein. Ça freine fort. Hop, on récupère ça. J'adore. Puis la batterie, elle est illimitée, hein, je crois. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ampoule, parfait. Pareil, ça je mange. Dès que je peux pas récupérer plus, bah voilà, autant manger. Et pareil, là il y a un autre caddie. Et rien d'autre. Allez, on va prendre celui-là. Oh, il y a les. Il y a des cannibales derrière, tu sais. Est-ce que Kelvin il peut monter? Viens voir, Kelvin. Est-ce que tu peux monter? Non? Ce serait incroyable en vrai. Ah, c'est dommage. Alors par contre, on peut pas sortir la map quand on est dans le caddie. Ça, c'est dommage aussi. Bon. J'ai écrasé une marmotte. Oh putain. Non non, je vais pas l'écraser, c'est pas cool. Ah bah si lui il fonce dans moi, j'y peux rien. On va essayer de rejoindre du coup. Bah on va suivre ce qu'on peut suivre comme route avec ce caddie. Et voilà, on va essayer de trouver un village comme ça. Et on va voir comment ça va se passer. Putain, c'est trop bien. En vrai c'est trop bien d'avoir un caddie. Je sais pas si on peut passer vraiment là où on veut. On va voir. Eh. Merde. Pas bon ça. Alors le pire c'est que quand je suis dans le caddie je peux pas attaquer hein. Je peux pas sortir mon arme. Bon, ça a l'air de monter sans problème. Ah, le chemin il est là-haut, c'est bon, j'ai retrouvé le chemin sur le GPS. Ok, alors ça défonce toutes les feuilles, c'est pas mal. Ça arrive à peu près à monter sur la pierre. J'expérimente hein, c'est vraiment pour le coup la première fois. Voilà, là il y a un chemin. Si on peut appeler ça un chemin. Et on a un village. On a un village avec une grosse brute. Est-ce qu'on a une marmite? Bonjour. Je suis gentil, hein. Y a pas de marmite. J'ai trop le seum. Bonjour. Y a pas de marmite, je me barre. Ah! Ah! Oh! What? Comment ça? Oh, il m'a défoncé la gueule. Je suis mort. Je suis mort. Oh mais arrête. Je suis mort. Je veux récupérer mon caddie de golf. Oh, il y en a un là. Allez, salut. Oh putain. Oh, je me chie dessus. Oh putain. Oh putain, comment je me suis chié dessus. Oh la vache. Par contre c'est incontrôlable hein. C'est incontrôlable. Ouah, ça drift. Ok, je me retrouve là. D'accord. Bon, il n'y avait pas de marmite. Je suis dégoûté, il n'y avait pas de marmite. Donc alors il y avait des trucs à looter hein. Pour le coup je vais être honnête avec vous, il y a des trucs à looter. C'est pas non plus très intéressant. Là juste j'ai failli crever donc on va éviter toutes sortes de violences. Oh, comment il m'a dégagé n'empêche. Bon, on n'est pas protégé dans la golfette hein, voilà. Comme ça aura répondu à ma question. On n'est pas du tout protégé dans la golfette.
Donc faut vraiment utiliser ça sur des grandes étendues. On va essayer de monter par là. Oh putain. C'est Jurassic Park ou quoi? Là ça passe. Je suis bloqué. Ok, c'est bon. L'avantage c'est que c'est une c'est une propulsion, je pense. Bonjour. Oh non. Allez, avance là. L'idéal c'est de jamais s'arrêter. Vas-y, on va essayer de retrouver un chemin là, ce serait pas mal. Oh là, ça sent le screamer, frérot. Hop là, slalom entre les deux arbres. Là, il y a un chemin là. Là, il y a un chemin. Je l'ai. Ok. C'est bon. Alors, on a un grand lac ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bon, je vais sortir. Je vais y aller à pied. Là, il y a du cannibale là. Bonjour monsieur. Ah, voilà. Là, on va avoir une casserole en bas à mon avis. En bas, on va avoir une casserole. On est où là? Ok, notre base elle est là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? On a de la corde. Mais c'est super stylé ici. Si c'était pas aussi bruyant, on pourrait s'installer là en vrai, tu vois. Ok. Petit squelette là, très bien. Bon, j'ai trop de cordes sur moi visiblement. Et encore là, c'est pas tant bruyant que ça. Bon, on va descendre à pied, hein. Tant pis pour la golfette, hein. De toute façon, on pourra toujours en retrouver, hein, vous l'aurez compris. Et on va essayer d'aller voir le campement qu'il y a en bas. Il nous faut une casserole, hein, vous l'aurez compris. Waouh, mais c'est magnifique ici. J'ai l'impression que j'ai jamais vu cet endroit. Ce qui est pas impossible, hein, mais j'ai l'impression que... Ouais, j'ai jamais vu cet endroit. Waouh. Allez, je vous laisse admirer encore une fois. C'est incroyable, ce jeu est incroyable. Ah, je suis jamais allé là. Il y a de la musique un peu triste. Oh, une tortue. Merde, c'est des cercueils. Oh non. Allez, fuck, c'est pas grave. Bonjour messieurs. Désolé, hein. Récupère des pièces. Je récupère vos pièces, hein, et ça vous sert à rien là, là-dedans. Ok. De la bouffe encore. Des ampoules, let's go. Très belle musique. Elle est où la radio? Là. Radio collectée, très bien. Vous avez pas une casserole là? Panneau solaire, let's go. Oh, putain, là on est bien là. Là on est bien Tintin. Des nouvelles tenues. Y a pas de casserole là? Y a vraiment pas de casserole? Non. Là les médocs par contre je prends, hein. Y a pas de casserole. Je vais péter mon crâne. Personne n'a de casserole. Enfin de marmite je veux dire. Mais ça me saoule. Comment on va faire? Je vais pas boire indéfiniment de l'eau dégueulasse. Bon, on va continuer de suivre voilà, le but de toute façon c'est de suivre les chemins. Vous l'aurez compris, hein. Parce que plus on s'égare, moins on trouve de choses. Donc hop, je récupère les plantes qu'on connaît pas. Chicorée. Ah, on va pouvoir faire des... On va pouvoir faire des soins. Regardez, si tu fusionnes du chicorée juste ici. Non, c'est pas ça. Chicorée. Ainsi que... Batte du diable. Ainsi que... Plante à fèche. Ça te fait... Je ne sais pas quoi, mais on assemble. Et c'est de la magie. Voilà, on vient de faire un mélange énergétique. Très bien. C'est formidable. On peut également faire des soins, des trucs comme ça avec de l'aloe vera, hein, toi-même tu sais.
Voilà, on récupère les chicorées, c'est parfait. Petite fleur blanche. C'est un peu bruyant. Oh là! Ah! Bonjour monsieur. Très bien. On a encore un petit plan d'eau. Un campement. Je sors mon arme. Incroyable. Merde! Comment se faire cramer? Eh, cet endroit aussi, il est incroyable en vrai. Eh, tous les endroits on peut s'installer, la vérité. Hein. Tous les endroits on peut s'installer. Ok. Pas de marmite. Putain, ça me saoule. Comment ils font pour boire les gens? Bah, après ils sont morts, remarque. Ils sont morts parce qu'ils avaient pas de marmite. Bon bah écoutez, très bien, on va essayer de revenir tranquillement mais sûrement vers la base. On va suivre ce chemin. Et ça va nous ramener vers un des premiers chemins qu'on a pris au début de l'épisode. Putain, pardon, je suis dégoûté. Alors par contre, fructueux parce qu'on a trouvé pas mal de choses. Et on n'oublie pas les lunettes de vision nocturne. Pour le coup. Et ça c'est vraiment génial. Ok. Alors là mon pote. Là-dedans il y a de la marmite. Là-dedans il y a de la marmite. Ça je te le dis. Oh non. Oh ouais, fais diversion. Faut que je localise une marmite. Oh putain. Ah, elle m'a vu. Elle m'a vu. Bon, ça sert à rien. Bonjour, je ne fais que passer. Hein. Bonjour. Aïe, mais va te faire enculer en fait. Je veux juste une casserole. Vous avez pas une marmite? Ils ont pas de marmite, la vérité. Oh la honte, ils ont pas de marmite. Oh les nulos. Eh, elle court super vite derrière moi en plus. Salope. Bon allez, c'est pas grave. Ils ont pas de marmite. Mais comment c'est possible? Ah, voilà qui est embêtant. Voilà qui est embêtant. On va éviter toute forme de violence. Allez, salut. Putain, ils ont pas de marmite. Mais comment c'est possible? Et je vous assure que dans tous les villages, on trouvait forcément une casserole. La vérité. Je ne comprends pas. C'est inconcevable. Alors si vous avez une astuce pour l'eau, je suis preneur. À part attendre la pluie. Oh putain, j'ai coupé le chemin et je suis un génie. Parce que à part attendre qu'il pleuve, franchement, je ne vois pas sinon quoi. Il est déjà 17h, la journée passe vite quand même. Hein. Mais bon, sinon pas déçu non plus parce que, voilà, comme dit, ça a été assez fructueux, on a trouvé pas mal de choses. Mais un peu dégoûté quand même. Wesh, y'a un pont là. Incroyable. C'est génial. Bien résistant tout. Ah, il y a un autre camp en bas. Vas-y, j'y vais. J'y vais. M'en fous qu'il fasse nuit. De toute façon, je suis dans la merde. Puis la nuit, faut dormir. Hein. Ah, puis la nuit, ils me verront moins. Peut-être. Je sais pas si je suis sûr de ce que j'avance. Je crois qu'il y a personne. Il y a personne. Est-ce qu'ils ont une marmite? Que dalle.
Y a rien. Je prends le temps de vérifier, hein. Y a que dalle. Voilà, hein, de la merde, comme d'habitude. Que de la merde. Bon bah voilà. Bon, on rentre à la maison. Ça fait plaise. Ça fait plaise. Bon bah les copains, on arrive à la maison. J'espère qu'il y a personne dans la base. Je pense pas. On va faire un petit somme. Parfait. Bon, l'avantage c'est qu'on se fait pas trop embêter, t'as vu. Donc ça c'est vraiment cool. Évidemment j'ai soif, donc évidemment je vais boire de la mauvaise eau, hein, comme d'habitude. Nouvelles instructions d'artisanat disponibles dans l'inventaire. Ah ouais. Voyons voir. Armure de cuir, armure de feuilles, bombe à retardement, cocktail de santé, massue artisanale. Bon voilà, on a pas mal de petites choses à faire. C'est vrai qu'on a de la peau et tout de peau d'animal. Donc avec ça on peut faire des trucs. Armure de cuir. Allez, soyons fous. Utilisons ça à bon escient, ça nous fait une petite armure. Écoutez, on garde ça de côté. Armure de feuilles, bon rien de bien incroyable, mais tout de même, hein. Où sont les feuilles? Où sont les feuilles? Elles sont là, voilà, en plus j'ai pas mal de feuilles, donc voilà, on peut y aller sans aucun problème. Voilà. On se fait les petites armures de feuilles, on garde ça de côté. Ça pourra servir. Ce serait pas mal que le système soit plus rapide, parce que c'est un petit peu lent, vous voyez, à chaque fois. Moi je verrais bien un patch qui permet d'aller un petit peu plus vite, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bombe à retardement, normalement j'ai toutes les pièces. Donc il faut circuit imprimé, bloc de C4. Tac 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 tac. Bah en fait j'ai pas grand chose là, hein. Mais si. Du fil, des montres, des piles. Il faut encore des trucs. Qu'est-ce qui me manque? Des pièces et du scotch. Donc là le scotch. Et des pièces. A mon avis les amis vous les voyez. Moi je les vois pas parce que je suis débile, tout simplement. Montre, fil. Non je n'ai pas de pièces. Mais pourtant j'en ai ramassé. Ah là des pièces. Et voilà. Et là ça nous fait une bombe. Directement, voilà. Impeccable. Très bien. Cocktail de santé, donc ça il faut de l'aloe vera et du chicorée, j'imagine. Chicorée. Ah. J'ai pas d'aloe vera sur moi là. Ça c'est clair. Si, aloe vera, je suis con. Aloe vera, achillée. Ah voilà, c'est pas du chicorée, c'est de l'achillée. Et là ça nous fait du coup un cocktail de santé. Voilà, je vous montre un petit peu les crafts. Hein. Voilà, je fais un petit peu le mec. Massue artisanale, bon ça on s'en branle, mais on va quand même le faire. Donc on prend un stick, on prend un crâne et on prend du Shatterton. Non, c'est pas ça. De la corde. Et on a une massue artisanale. Qui fait toujours plaisir. Voilà. Impec. Ah, j'ai reçu un achievement. Incroyable. Ok. Ok, ok, ok. Bah écoutez, on va placer les panneaux solaires en haut. Directement. D'ailleurs, pour ceux qui demandaient... Si on pouvait mettre une puce GPS sur le truc, bah ça sert à rien parce qu'il est quand même sur le radar là si vous regardez. Voilà. Et de toute façon je pense pas qu'on puisse. Bon. Attends. Je vais prendre un raccourci là mais. Eh oh, j'ai réussi. Incroyable. Hop. Je peux monter ou. On peut monter ou. Oh. Oh là ça va me fâcher par contre. Ah ouais non là par contre le jeu se fout de moi. Non là le jeu se fout de moi. C'est une blague? Non c'est une blague. Ah ouais non là par contre c'est un scandale. Je plains déjà ceux qui vont jouer sur console parce que vous allez mais alors galérer, hein. Ah je vous le dis, hein. Bon j'ai trois panneaux solaires donc parfait. On va se calmer. Puis je vais mettre en parallèle de l'autre côté, voilà. Pas mal ça. Très bien. On va descendre, est-ce que je prends des dégâts? Non ça va pas trop. C'est quoi ce bruit? On va se détendre, hein.
On va en profiter pour faire des petits trucs assez sympas. Donc c'est pas ça que je voulais. On va faire du bois de chauffage aussi pendant que j'y pense. On va faire des petits crafts en vidéo, ça peut être sympa. Mais là j'aimerais vraiment voilà, faire des petits mobiliers. Et j'aimerais commencer en fait. J'aimerais commencer par... Voilà, un petit nichoir pour les oiseaux. Parce qu'il y a pas mal d'oiseaux et comme ça on pourra récupérer les plumes. Et je verrai bien ça ici. Ouais, ça peut être pas mal ici. Là il faut des sticks. Magnifique, parfait. Comme ça les oiseaux pourront venir sans aucun problème. On peut mettre un épouvantail. Là c'est les traîneaux à bûches. Jardinière, ça on va voir juste après. Mais attendez. Piège à poisson. Les gars, il y a du poisson dans ce truc. J'avais même pas fait le lien. Il y a des poissons là-dedans. Donc là, regardez, je vais orienter le piège comme ça. Et voilà. Impeccable. Bon, si Calvin était là, je lui aurais demandé de faire le boulot. Putain, il y a un indigène là-bas. Là, c'est le début des problèmes. Hein. Là, c'est le début des problèmes. D'ailleurs, du coup... Je vais plutôt le placer là. Je me sens un peu plus en sécurité. Ouais, c'est con, mais c'est vrai. Hein. J'ai peur d'être trop près là-bas. Là, ici, je me sens plus en sécurité. Voilà. En fait, c'est con, mais de là où je suis là, je me sens plus en sécurité. Et je pense que, à juste titre, que là-bas, ça me fait peur. Bonjour, monsieur. Bonne journée, au revoir. Oh, il fait juste l'inspection, il fait le tour des lieux. Ouais. Vous m'aviez dit quoi du coup pour le chauffage de bois là? Feu ordinaire, feu renforcé. Sol de base, mur simple, porte, fenêtre. M'en fous moi de tout ça. Mur en pierre, bon du coup voilà, on pourra toujours faire des trucs en pierre, mais moi j'aime bien faire en bois, c'est un peu plus simple je trouve. La pierre c'est chiant quoi. Je trouve les structures en pierre c'est chiant. Bois de chauffage, donc tu prends ton bois, tu le coupes en deux et tu fais des petits bouts. Tout simplement, d'accord. Et bien on va faire ça directement, puisque de toute façon du bois, vous inquiétez pas, j'en ai pas mal. Bah, j'en ai dans mon traîneau juste derrière. Oh, l'oiseau il m'a fait peur. Hop là. Excusez-moi si je parle pas trop, hein. Voilà, on va placer ça là. On va couper en deux, si c'est possible. Voilà. Merci à tous, bonsoir. Arrête de bouger. Oh là là, quel enfer. Voilà. C'était pas du tout ça que je voulais. Ça me saoule, mais ça me saoule. Voilà. Et là, je coupe en deux, ça. Ok. J'expérimente, hein. J'ai jamais fait ça, les gars. Franchement, c'est vraiment parce que vous me l'aviez dit en commentaire. Donc, wesh, l'oiseau. Et du coup, ça, je peux placer là, par exemple. Attends, en attendant, je vais placer ça là parce que j'ai pas trop compris. Ah putain, d'accord. Et ça, je vais pouvoir placer ça au feu, c'est ça? Écoutez, je me fais un stock. Je me fais un stock et puis je pense qu'on découvrira comme il se doit par la suite. Hop, allô monsieur. Ouais, merci de coopérer. Hein. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu quand il fonctionne. Superbe. Voilà. En tout cas les gars, n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. Le temps que je fais du bûcheronnage. On est grumier ou... Voilà. Je vais juste essayer du coup si je mets ça au feu. Allez, bien sûr le feu il est détruit, comme ça l'affaire est réglée. Alors on va essayer, d'accord. Bah non, j'ai plus de bois. Allez, bah écoutez, c'est pas grave, on va se prendre du bois. Calvin, tu viens quand tu veux, j'ai besoin de toi un peu là. Voilà. Ça, ces pierres, elles sont chiantes.
Attends, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Hop. Tu vois, le problème c'est que quand tu... Voilà, tu prends la pierre dans la main. C'est terrible. Il y a un indigène dans l'arbre? Ah oui, il y a vraiment un cannibale là. Ah ouais, je suis pas fou. Eh les gars, je suis pas si parano que ça, hein. Je suis pas si parano que ça, j'ai juste un œil plus développé que la normale. Bon. Et ben vous savez quoi? C'est la dernière fois qu'on fait un feu en extérieur. Je pense que les prochaines fois on le fera en intérieur. Alors vous allez me dire que c'est pas réaliste. Bon bah les couilles. Mais ce sera bien plus sympa de le faire en intérieur. Donc là, ceci étant dit, ceci étant fait, je mets des pierres autour. Voilà. Et là, si je prends ça, ah putain, excellent. D'accord. Ok, bah j'ai compris. Par contre, c'est une blague. Je savais pas que ça allait pourrir moi la viande. La viande, elle a pourri genre. Oh, c'est abusé. Tout ça parce que j'avais pas de cello frais. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Bah du coup bah, c'est génial, du coup toute ma viande est pourrie. Là du coup je vais pouvoir placer un peu des bâtons. Mais Kelvin il fait quoi là? Il est en randonnée ou... Ah ouais, il est de l'autre côté, il s'en bat les couilles. Bon, on va faire ce piège à poisson là, histoire qu'on ait une source de nourriture un peu, parce que là on s'est mis dans la sauce pour pas grand chose. Bon, j'ai des barres énergétiques et tout hein, mais si on pourrait avoir une alimentation saine, on ne dira pas non, tu vois. Voilà. Normalement, il me manque un bâton, genre. Il me manque un bâton. Tu te fous de moi ? Préfère. Attends, je vais manger les baies. C'est pas tout ça. Mais ça creuse. Hein. Ça creuse. Bon, voilà. On va s'en arrêter là pour cet épisode. Du coup, comme ça, je vous fais ce petit plaisir de le sortir mercredi exceptionnellement, comme vous me l'aviez demandé. Ce qui est plutôt cool. Mais je peux pas vous promettre de faire ça très souvent parce que mon emploi du temps est assez compliqué. Mais voilà. En tout cas, comptez sur moi pour faire mon maximum. Moi, en tout cas, je me régale. Comme d'habitude. Voilà. Du coup, bah, écoutez, je vais commencer à placer les structures. Je vais les faire pour l'intérieur de la maison. Et puis, je vous reprendrai pour faire une outro. Et je vous montrerai du coup ma maison telle qu'elle. Voilà, allez, à tout de suite. Allez les amis, petit tour du propriétaire. Alors j'ai mis une petite tête de tortue ici parce que je savais pas où la foutre. Par contre au niveau de l'entrée, regardez la tête de biche, de cerf, de biche comme vous voulez, qu'on a chopé tout à l'heure. Tête de tortue, tête de lapin, voilà, j'ai disposé ça à l'entrée parce que c'est ultra glauque hein, ceux qui font ça, mais c'est pas grave. Je vous montre un petit peu l'extérieur rapidement. J'ai fait un petit banc ici et en faisant ce banc j'ai fait une bêtise au niveau de la fenêtre, c'est à dire qu'avant la fenêtre elle était ben, comme là hein. Et j'ai fait une bêtise et au final, eh ben j'aime bien. Je vais vous montrer de l'intérieur, j'aime plutôt pas mal. Mais en tout cas voilà le petit banc, tu t'installes là et tu peux voir du coup les indigènes en train de se promener. Et là visiblement ça a l'air d'aller. Voilà le petit banc ici plutôt sympa. Pour l'intérieur, hop, on rentre à l'intérieur. Et regardez comme c'est déjà mignon, petite table avec les chaises, comme ça on peut manger. Voilà ici tranquillement, et voyez la fenêtre, j'aime beaucoup de l'intérieur. Ah, je me suis bloqué putain, saloperie. Je me suis bloqué, faut que je recule un peu la chaise. Parce que là sinon on va se retrouver comme des cons. Voilà. Et voyez cette fenêtre comme ça. Alors du coup c'est pas très sécurisé, même si en soi personne devrait rentrer par là, vu que j'ai le mur devant de protection. Mais du coup ça fait une grande fenêtre et j'aime beaucoup. Alors peut-être que c'est ce que je vais opter pour en haut. Ça peut être pas mal. Bon, j'ai mis des étagères du coup ici. Voilà, étagère murale également là. Enfin voilà un petit peu pour ce qui a été fait. Et on les entend de super loin les cannibales quand même hein. C'est un peu effrayant. Hop, je ferme ma fenêtre. Alors tu vois j'hésite
J'aime bien quand même les fenêtres parce que l'avantage c'est qu'en haut on peut s'enfermer quand on dort. Là tu vois je me sens pas en sécurité si quelqu'un m'envoie une cocktail Molotov, un truc comme ça. Alors en soi c'est du bois, ça prend feu hein. Mais oh, regardez les petits papillons. Eh, on va tout déforester, je vous jure. En fait avec Kelvin on va tout déforester. Vous allez voir ils pourront plus grimper dans les arbres hein, les cannibales hein. Ils vont être tristes hein. Ce qui serait bien c'est qu'on puisse enlever aussi par exemple. Tu vois le gros rocher là, les gros rochers, ce serait trop bien si on pouvait les enlever. Malheureusement on ne peut pas. Mais voilà globalement. Donc ouais, prochain épisode tout sera déforesté je pense. Je vais vraiment tout couper un maximum. Et puis voilà quoi. Pour ce qui a été fait. Je vais aussi terminer, continuer les circuits électriques de la maison je pense. Histoire que, alors on a quoi comme fil? On a 8 fils donc c'est pas non plus énorme. Mais vous voyez je peux faire descendre. Alors est-ce que... Ah mais là ça va pas communiquer là. Là ça va pas communiquer. Par contre là ça communique. Là normalement ça communique. Ouais là normalement ça communique. Donc si je mets mon ampoule ici par exemple, ça ne marche pas. Aha. Comment se fait-ce? Ah regardez, attendez. Il y a une couille dans le pâté là. Il y a une couille dans le pâté. Ah, ils font chier putain, je te jure. Normalement c'est bon. Alors dans le doute on va faire ça, ça. Ça. Ah bah voilà, là ça marche du coup. Ok. Hop. Voilà, on va faire relier là. Et je pense que l'ampoule du coup on va plutôt la placer là. Ça aura plus son sens ici que là. Good. Là on peut en mettre. Bon là j'ai plus de fil de toute façon. Je n'ai plus de fil, mais voilà, vous avez l'idée, on peut faire de merveilleuses choses, et ça, ça fait plaisir. Bref, voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Mais non. C'est quoi ce bug? Qu'est-ce que c'est que ce bug? Ah d'accord, il y a eu un bug. Bref, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Bah mais du coup c'est plus relié en bas. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez là, il y a un problème. Voilà. Du coup en bas ça marche. Mais du coup je peux plus faire ça alors. Ah si. What? Il y a un bug. Mais c'est super bizarre. Eh, tu sais quoi? Voilà. Hop. Bon c'est du bois de chauffage ça. Eh, ça nous fait une belle fenêtre. Bon voilà les gars, n'oubliez pas le like. Et on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. N'oubliez pas le like. Ça fait 5 fois que je le répète, je suis désolé, je ne sais plus ce que je dis. C'était Mkolo, bonne semaine, bon courage. Ciao tout le monde.